Gogol. Voilà. Bah, je leur ai quand même bien ouvert les fesses, hein. Je suis désolée. Mais... On va essayer de pas taper accidentellement les petites bébêtes parce qu'elles ont l'air assez vénères quand... quand on leur fout une petite claquouse. Ah. Ah. Alors, je vous laisse le lire ou je le lis ? Allez, je le lis. Le bois de Mistral était contrôlé par les gobelins et la route principale de Mistralia étant bloquée par un récent glissement de terrain, les habitants de ce hameau de montagne bucolique se sentent plus isolés que jamais. Quand Zia a accidentellement brûlé sa maison, ils ont pris rapidement les choses en main et l'ont exilé. Je vais aller chercher la fleur en remontant la rivière. Ah alors attendez, je vais aller voir. Excusez-moi. Hein. Je vais aller regarder. Heureusement que j'ai mon chat en fait. Hein. Ah mais il repop, c'est saloperie. Mais non. Là, là, ils sont là. C'est cool. Ah, la fleur. Ok. Oh, regarde, un lys magique, je vais prendre un bulbe pour l'enchanteur. Ok. Vous avez l'œil les gars, merci, c'est bien. Ouais, calme ton cul toi, c'est pas toi que je viens voir. Marais du bois de Mistral, ascension, amour, une panne derrière sentiment magique. C'est écrit au voile, ok. Salut Mercure Dragon. Alors. Vous voulez un indice? Vous n'avez pas toutes les runes requises pour ce défi. Non, non, pas du tout. Je vais garder mon feu. Ah oui, mais non, mais je peux pas. Il faut un pouvoir que j'ai pas en fait. Bon bah allons à Griffeuil alors. On va encore se faire clasher par tout le monde. Ils vont encore nous dire oui, c'est toi qui a tout brûlé. Tu veux pas sauvegarder ma progression actuelle?
Je ferais mieux de cacher ma baguette et d'éviter de lancer des sorts à proximité des gens ici, ou je serais arrêtée. Mais c'est pas du tout cramé que t'es un mage, vu que t'es habillé comme un mage et que t'as un livre de sorts à la ceinture, sinon, quoi. Zia, quel plaisir de te voir! J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Tao, comment vas-tu? Que se passe-t-il à Griffeuil? Le hameau me manque. Je vais bien, mais je ne pense pas que tu devrais revenir pour le moment. Les autres ont toujours peur de toi. Je leur ai bien dit que c'était ridicule, mais tu sais... Ok, c'est un peu chaud pour ma gueule. J'ai vu le bois bouger là ou... Putain. Zia, que fais-tu ici? J'ai rencontré Rachel dans les bois. Elle s'est fait attaquer par des gobelins. Elle a besoin d'aide. Quoi? Rachel a besoin de mon aide? J'arrive, Rachel! Voilà, voilà. Xavier. Zia, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être là. D'accord. Ça va, on m'embrouille pas plus que ça. Zia, tu as été bannie de Griffeuil. La volonté de ses habitants est la loi du marquis. Les mages sont hors la loi. Tu ne peux pas entrer par ici. Par d'ici. Un truc avec une explosion que je peux pas faire pour l'instant, apparemment. Le chemin vers le château est bloqué. Le bois de Mistral est trop dangereux pour s'y aventurer. Nous sommes vraiment isolés. Cette fleur dans votre jardin, pourrais-je en extraire son bulbe? Extraire son bulbe? Mais elle serait ruinée. Tu sais, Zia, c'est une fleur très rare. Je peux te l'acheter. Vraiment? Eh bien, c'est d'accord. En échange de 99 bulbes verts, je te donnerai ma fleur. Ok. Voilà! Je crois qu'on va retourner faire un tour à Auvoil dès qu'on pourra se téléporter de quelque part. Hein. Je peux pas monter à la... Non, je peux pas monter à l'échelle. C'est la marque des explosions. D'accord, je peux pas encore pour l'instant. Quand est-ce que vous décidez d'arriver, les petits pédés de gobelins, là? Boum, 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 boum! Ouais! Ouais! Esquive! Je suis un mage, je me tape au cac. Excusez-moi, hein, je vais farmer comme une petite cochonne. Hein. J'ai oublié ceux là-bas. Ouais. Je vais récupérer mon fric en rien de temps, je vous... Moi, Grizzly. Parce que je suis une grosse crevarde, hein, vous m'en voulez pas. Hop. Bon, je crois qu'on commence à connaître un peu la map. Hein. Je suis pas sûre, mais... Brûler son cadavre!
Coucou. T'as dû chercher mon mari à ma place. Merci encore pour ton aide là-bas. Dis-moi, j'ai l'impression qu'il me manque des marchandises. Je pense que les gobelins ont réussi à me voler une partie. Penses-tu que tu pourrais les récupérer pour moi? Je vais les chercher. Je savais que tu pouvais compter sur toi. Il me manque 4 sacs de marchandises. Ils portent tous l'armoirie de Griffeuil, comme celui-ci. Je t'attendrai à Griffeuil. Ok, cool. Rappel, vous pouvez accéder à votre inventaire d'objets pour équiper des baguettes. Oh, j'ai le droit d'avoir d'autres baguettes? Est-ce que je peux me battre avec du pain, s'il vous plaît? Haha, je t'ai entendu. Oh, pourri. Mais je vais arriver, les gars, vous inquiétez pas. Oui, un cercle de téléportation. Cool, cool. Bon, par contre, les mecs qui t'agressent direct au pont, là... Vous allez vous détendre, la moule. Ou la nouille, hein. C'est comme ça, ouais. Mais qu'il est chouette, ce jeu, je l'aime. Oh, je suis désolée, mais je suis hyper à fond. Ah, ça, c'est cool. Ah, c'est cool. Ah, c'est trop cool, les petites interactions et tout. Oh, le fun est présent. Un des sacs de Rachel. Voici le premier. Ok. Pourquoi tu le dis à ton sac? Pourquoi tu parles à ton livre tout le temps? Calme-toi. Je peux pas les récupérer, ces trucs-là, non? Trouvons les 4 sacs. 4 sacs! C'est les 4 sacs! Wouhou! On va rapporter les 4 sacs de la marchande. Parce qu'on est le mage du village. 4 sacs! Rapportez 4 sacs! C'est parti, mon kiki! Ah, je vais donc apprendre un nouveau sort. Lol. Mais comment t'atteindre au tonneau? La main qui me dit, va par là. Merci. What? Ok, je vais me faire dégoûter. Ah bah merci, t'as éliminé un ennemi pour moi, c'est gentil. J'aime bien son rire. Ah, d'abord, éliminons les ZAD. Là, je comprends pas trop ce que tu veux faire, mec. Aïe. D'accord, ok, j'ai compris.
fait un peu chaud là. D'accord. On va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Juste le temps que je prenne le coup de main, après ça ira. De toute façon, on est obligé d'y passer, donc... Ah, peut-être le frapper quand il est stun, on va tester, ouais. Toi, tu vas apprendre à voler. Ça me fait trop rire avec toi. Eh, putain. Oui, non mais ok, non mais stop. Ça va peut-être aller là. Mais pourquoi il court? Pourquoi est-ce qu'il a couru? Il était à côté de moi.